fait, parce que vous dites on ne peut pas être tous au gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas que à ce niveau-là, l'UDPS n'a pas formé ses cadres pour qu'ils puissent se retrouver dans d'autres domaines? Dire que l'UDPS n'a pas formé ses cadres, c'est trop fort. Mais nous, là, d'abord, nous, là, professeurs d'université, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas des cadres. Et les amis qu'on voit là-bas, même les motards, parmi eux, moi, j'ai déjà parlé avec beaucoup de motards, mon cher Andy. Quelqu'un vous dit, je suis gradué, je suis licencié de l'ISTA, de l'ISC, de l'IBTP, de ces fautes d'emploi. Mais ce n'est pas Félix qui a tué les emplois dans ce pays. Par contre, il se bat pour qu'il y en ait afin que chacun se retrouve. Malgré les crocs en jambes, on ne s'en plaint pas, mais nous connaissons au moins le plus grand problème de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, l'UDPS a formé des cadres, l'UDPS a eu des cadres. Je voudrais ici souligner que moi, j'ai vu des cadres de l'UDPS se réunir. Nous, là, en tant que jeunes universitaires, vers les années 92, là, j'étais déjà presque vers la fin de mes études, à la Cité Verte, nous constituions une cellule très dynamique composée de jeunes étudiants. Et la Cité Verte elle-même, c'était un coin qui regorgeait de cadres, je peux dire, des directeurs des entreprises. Mais je vous dis que si je prends seulement le modèle de la Cité Verte, c'est un modèle qui formait des cadres, l'IDPS a formé. Maintenant, dans la clandestinité, on a vu les 13 députés, on a vu les autres cadres qui s'étaient joints à ces gens-là. Et je vous dis, comme je l'ai souligné en aparté quand je parlais des cercles de réflexion, ce n'était pas n'importe qui adhérait à des cercles de réflexion. Je prends l'exemple de Cercle Les Rapides qui était dirigé par le feu secrétaire général adjoint Olivier Kabangou à ma campagne. Mais là, vous trouviez qu'il y avait des ingénieurs, vous trouvez qu'il y avait des professeurs d'université, il y avait deux médecins, il y avait des juristes, il y avait tout le monde là-bas. Et certains des ministres du gouvernement Tshisekedi sont sortis de ce genre de cercle de réflexion. Je vous donne le cas de Paul Bandoma, ingénieur à Samafos, s'est retrouvé ministre de l'Agriculture, ministre de la Défense, et je peux vous donner d'autres cas. Il y avait même un de mes professeurs, Feboula Paluku, du Nord Kivu, qui était ministre dans le gouvernement des 48 heures. Donc, c'est vous dire que l'UDPS a toujours eu des cadres en son sein. Et dans les statuts de l'UDPS, on reconnaît aussi un cadre qui forme ces cadres. Ce cadre-là s'appelle l'école du parti Makanda Pinga Anaclet. Donc, c'est pour dire que l'UDPS fonctionne. Et puis, un autre cadre par excellence de la formation des membres de l'UDPS, ce sont nos entités de base. Ça, c'est la meilleure école. Nous, là, nous avons formé des gens au-delà de, après le 24 avril 1990, nous qui étions au pied des fondateurs, nous avions intégré l'idéologie, la doctrine, le sens de la lutte, le projet de société de l'UDPS. Nous avons continué à enseigner ça dans nos cellules. Nous avons implanté beaucoup de cellules de ce côté, la cellule et sous-cellule. Et je vous dis à ce sujet-là, la cellule UDPS Cité Verte, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de concurrent. C'est l'unique cellule de l'UDPS à avoir organisé un très grand meeting populaire à la Cité Verte, là. Je ne compare pas avec le meeting organisé par la direction politique et autres, mais en tant qu'une petite entité de base, on a été reconnu comme cela. Et je vous dis que parler de cadre de l'UDPS, c'est un faux discours. Je reviens, j'ai dit, nous, professeurs d'université, au sein de l'UDPS, nous sommes l'émanation de nos structures de base, c'est-à-dire d'abord nos cellules. Moi qui recrute le professeur, il y a une fiche d'adhésion. Chaque professeur s'identifie d'abord par rapport à sa cellule. Il ne peut pas venir adhérer au cercle parce que nous sommes professeurs. Non. D'abord, on est militant dans sa cellule.
Alors, les gens qui disent l'IDPS n'a pas formé des cadres, ils se trompent. Alors là, je reviens, docteur, ça m'intéresse parce que il paraîtrait que c'est vous, les professeurs, docteurs, intellectuels du parti qui combattez le secrétaire général Augustin Kabouya. Je ne dirais pas, nous, professeurs, il faut parler de certains brebis égarés. L'IDPS, c'est une école de la démocratie. Les pères fondateurs nous ont appris à l'UDPS à débattre des situations quand nous sommes tous présents dans nos cénacles-là, dans nos cellules de base. Chacun donne son avis. On nous a appris la tolérance, on nous a appris la patience, on nous a appris l'écoute de l'interlocuteur. Mais quand quelqu'un se sent froissé, par exemple, il quitte le cadre idéal, le cadre par excellence du dialogue, de l'échange, et il réunit, c'est pas un monde là-bas, il paye sa caméra, il commence à attaquer l'autorité établie. Je crois que c'est malpropre, puisque nous devons reconnaître que si nous nous retrouvons en Félix, en tant que chef du parti, et que le chef désigne X ou Y, comme secrétaire général et intérimaire comme Kabouyele ici, où il désigne un membre, je crois que nous devons lui faire confiance parce que lui a fait confiance à cette autorité-là. Quand il y a les gens qui s'attaquent contre Kabouya, en réalité, ils ne s'attaquent pas à Kabouya ou contre Kabouya, mais ils s'attaquent contre Félix. La logique, c'est celle-là. Comment vous pouvez prétendre aimer le père et haïr son enfant? Quand il y a les gens qui s'attaquent contre Kabouya, en réalité, ils ne s'attaquent pas à Kabouya ou contre Kabouya, mais ils s'attaquent contre Félix. La logique, c'est celle-là. Comment vous pouvez prétendre aimer le père et haïr son enfant?